Offrande du jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dans le silence de ce jour naissant, confions au Seigneur nos vies, nos travaux et nos rencontres de la journée. D'un cœur sincère, rendons grâce à Dieu. Ô Dieu, maintenant, je suis malade et je souffre de mon corps et mon esprit. Je suis faible de mon cœur. Je ne sais pas pourquoi je tombe malade et je ne sais pas comment faire l'expérience d'un tel environnement. Aide-moi et guide-moi pour que je puisse comprendre ta volonté, tenir ferme avec foi dans un tel environnement et imiter Job à obéir à ton autorité, peu importe comment tu fais ton œuvre, au lieu de comprendre mal et me plaindre de toi. Amen. Dans le silence du cœur, engageons-nous en prenant des résolutions. Et maintenant, le psaume 79. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph ton troupeau, resplendis au-dessus des kérubim, devant Éphraïm, Benjamin, Manassé, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure? À présent, récitons ensemble la prière reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que l'intercession de la Vierge Marie nous soutienne également en ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions.
nous te prions, Seigneur, toi qui es la vraie lumière et le Créateur de la lumière, garde-nous attentifs à ta loi pour que nous vivions dans ta clarté. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde tout au long de ce jour, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.